Thank you.
Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez normalement? Oui, je vois le volume monter. Et puis, en même temps, ça nous permet de tester, même si le matos a déjà été testé pour la conférence 10 qui arrive normalement cette semaine sur YouTube. Ça nous permet aussi de flex un petit peu, comme on dit. Parce qu'on a du nouveau matériel, on a un Stream Deck maintenant, on a des hubs USB, on a des micros hein, aux couleurs qu'on préfère, techniquement. Enfin, bon, après, je suis pas sûr que Manon soit fan du jaune. Et donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Je sais plus où sont les caméras. Je sais plus laquelle je dois regarder, surtout. Celle qui est là-bas, ouais. Et on a de l'écho. Merci, Greg, de nous dire qu'on a de l'écho. Tac. Normalement, il est au moins. Hop, voilà. Normalement, on n'en aurait plus. Là. Attends, le mien, il est au max. Ah bah voilà, c'est pour ça. Mais pourquoi ? Là, normalement, il est au moins. Ça devrait moins résonner. Normalement, il n'y a plus d'écho, là. Techniquement. Écho. Bleu, c'est mieux. Bleu, c'est mieux aussi. Ok. Si c'est mieux. Bah du coup, on est bien avancé. Non, aujourd'hui, on fait un retour avec un prototype d'une nouvelle formule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va tester des choses en direct et puis on va voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Et n'hésitez pas à faire vos retours en soi. Après le live, si possible, ne le faites pas en direct, ce serait pas très utile. Attendez la fin du live et puis, bah, on verra. Qu'est-ce que tu racontes, Greg? On dirait que je parle avec des bonbons au chocolat et à la cacahuète. M&M's. Je pense qu'on a le droit de dire la marque. Donc, vous voyez très mal derrière parce que l'éclairage est très mauvais, mais derrière, vous avez à peu près le sommaire que je vais vous montrer un peu plus. Comme ça. Sans tout faire tomber, c'est possible. C'est pas mieux. Hein. Pas vraiment. Donc en fait, on va avoir plein de petites chroniques. En fait, c'est terminé les sujets, on va dire, sur un seul truc, sur une seule licence, sur un seul sujet. C'est-à-dire que là, pareil, on va avoir des thématiques. Là, aujourd'hui, c'est Halloween parce qu'on va beaucoup parler d'Halloween en soi. Et puis qu'on est dans la période, en vrai. Et que, par exemple, l'an prochain, on fait... est-ce qu'on a le droit de le dire ? La thématique de l'an prochain ? On va teaser très discrètement pour l'instant. Bah, au pire, c'est moi la com. Donc, donc on fera une thématique l'an prochain, une thématique, on va dire, aux couleurs très rouges et blanches, avec un soleil quelque part, et puis oh, énigmatique quand même. Hein. Ouais, des guerriers avec un sabre. Des guerriers avec des sabres, des cerisiers roses, des plein de choses. Voilà, on ne dira pas plus que ça. Mais bon, on fera probablement un médiatalk aussi sur cette thématique. On verra aussi si on a le temps, en soi, de faire un live à Noël, avant Noël, histoire de faire un truc Noël. On va éviter d'en faire tous les mois, parce que c'est compliqué pour nous, en soi. Comme vous pouvez le voir aussi, là on est que deux, parce qu'il faut quand même qu'on le précise, on est que deux, et en fait les choses vont changer aussi à ce niveau-là, techniquement, c'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours tous les deux à l'écran, des fois Manon sera derrière l'ordinateur, des fois je serai derrière l'ordinateur, là en l'occurrence on est tous les deux, donc l'ordinateur est devant nous, et de temps en temps on aura aussi d'autres invités, d'autres chroniqueurs, en fait on va essayer de changer un peu, tout en gardant au moins un de nous deux présent à l'écran, quoi, et l'autre présent derrière l'ordinateur. À la technique. Voilà, à la technique. Ne serait-ce que par le fait que des fois, il y a des sujets qui ne nous intéressent pas, et dont on n'aura pas envie forcément de parler, donc on laissera probablement place à un expert, ou à un de nous deux qui est plus aficionados du sujet. En l'occurrence, on se complète plutôt pas mal à ce niveau-là, je crois. Niveau goût et tout ça, on est pas mal. Et donc, bah, on va pas trop tarder non plus à lancer tout ça et vous parler de la première chronique qui est très corpo, comme on peut dire, puisque nous allons parler de l'actu de la médiathèque, en fait, et chose dont on parlait très peu, en fait, avant. Là, cette fois-ci, on a carrément tout un pamphlet sur les
T'as vu, j'utilise des mots un peu. Wow. Il est chic, le monsieur. On va avoir, on va pouvoir parler un peu de tout ce qui va se passer dans les semaines à venir et même aujourd'hui, en soi. Absolument. Ce sera pas forcément dans l'ordre chronologique, on vous précisera les dates. Je vous conseille quand même, dans tous les cas, d'aller checker notre programme qui est sur notre site internet ou de venir le récupérer en médiathèque, c'est gratuit toujours, hein, et, ou de regarder aussi nos affiches qui sont en médiathèque. Mais, et toutes ces animations, si je dis pas de bêtises, non, toutes ces animations là dont on va parler aujourd'hui sont gratuites aussi. Ça évitera de le préciser à chaque fois. Alors, tout est gratuit et au pire, vous savez quoi, partez du principe que c'est gratuit et si on vous précise que c'est payant, c'est que c'est payant. Si on vous Effectivement. précise rien, c'est gratuit. Voilà. Alors, allons-y, je te Génial. laisse la parole, Manon. Alors, inaugurons cette petite rubrique Mets d'actu, hein, c'est rigolo, voilà, avec le thème principal de ce live, Halloween. Donc, le 31 octobre, vous avez peut-être vu ces petits flyers, ces petites affiches en ville ou à la médiathèque. Nous vous convions pour une après-midi et une soirée sous les couleurs d'Halloween. L'après-midi, plutôt pour les enfants, à partir de 15h, vous retrouverez des contes, des petits ateliers manuels de création de marque-pages, des maquillages, des jeux de société. Et pour finir tout ça de 17 à 18h, une petite boum pour les monstres, un petit bal des monstres, où bien sûr nous vous invitons à venir déguiser, que ce soit les enfants ou les parents, comme ça c'est plus rigolo. Donc l'après-midi du 31 octobre, hein, le jour d'Halloween, un événement à ne pas manquer. Donc ça c'est pour les enfants, hein, à partir les marque-pages par exemple c'est à partir de 5 ans, mais autrement pour les maquillages, hein, pour les tout petits, on les accueillera avec plaisir. On continue ensuite la soirée de 19h à 22h, là c'est à partir de 14 ans, parce qu'on va vous proposer un escape game horreur où il faudra s'échapper d'une école hantée par les défunts élèves qui ont péri dans un incendie, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y aura deux créneaux, le premier à 19h et le second à 21h. Comme tous les escape games, comptez environ 1 heure, donc pour réussir à vous échapper, hein. Ça durera pas au-delà, puisque de toute façon la durée est limitée à 1 heure, hein, comme dans la plupart des escape games. Voilà, ces deux premiers créneaux-là. Sur inscription, du coup, ne tardez pas, parce que par exemple, le premier est déjà complet. Donc, si vous voulez une place et venir avec vos amis, appelez-nous ou passez à la médiathèque, comme vous voulez, pour réserver vos créneaux. Ensuite, il y aura 3 séances de blind test, donc autour des films, des musiques d'Halloween. Ça, c'est un petit rendez-vous assez rapide qui durera 15-20 minutes. Les trois créneaux, vous avez 19h, 20h et 21h. Et ensuite, le troisième grand rendez-vous, c'est un loup-garou géant qui lui débutera à 20h. C'est là aussi, les places sont limitées, hein, parce qu'on ne peut pas accueillir 150 personnes autour d'un loup-garou. Donc n'hésitez pas à réserver. Il reste de la place. Il y a déjà des inscrits. Voilà, inscrivez-vous pour tout ça. Récupérez le petit programme si vous avez déjà oublié ce que je viens de dire. Et le petit truc en plus, c'est qu'à partir de 19h, nous aurons le food truck Burger Saveur qui sera devant la médiathèque, quoi, sur la petite place, le petit parvis qu'il y a là. Et donc vous pourrez vous restaurer sur place entre une session de blind test et d'escape game, par exemple. Sachant que vous pourrez aussi venir à la médiathèque, il y aura des jeux en libre service que vous pourrez faire en ludothèque. Il y aura un autre petit jeu du chantier, du chantier d'insertion, pardon. Voilà, donc il y aura des petites activités à faire, mais le mieux c'est quand même de réserver pour les événements qui vous intéressent le plus, quoi. Voilà pour cette journée, cette soirée d'Halloween. Donc je le redis bien, venez déguiser, comme ça ce sera quand même plus sympa. Les médiathécaires vont jouer le jeu. On a déjà tous prévu nos petits costumes, un peu comme à la soirée Harry Potter, si certains d'entre vous étaient déjà venus. Voilà, ça va être bonne ambiance. Et puis on va célébrer Halloween à Cône, voilà, entre nous, et on va essayer de faire un truc sympathique, quoi.
pour Halloween. On peut enchaîner, Ça te hein? convient? Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je Très dise de très plus? bien. Bonjour, Pili Wiggin. Je devrais dire bonjour, maman. Ensuite, nous avons Grand Chemin au mois de novembre qui sera principalement à Donzy, mais aussi un peu à Cône. Je te laisse en parler, Manon, pour ce qui va se passer à Cône. Puisque cette animation n'est pas notée dans le programme, elle s'est rajoutée récemment, en fait, tout Voilà. simplement. Donc, Grand Chemin, peut-être que vous connaissez ou pas, c'est un festival, on va dire, organisé par la Cité du Mot à la Charité-sur-Loire. Et le principe, c'est de faire des actions sur tout le territoire de la Nièvre, hein, et avec des spectacles et des rendez-vous conviviaux, des repas partagés, plein d'actions sympas comme ça. Et nous, le 28 novembre, à 18h, nous vous proposons des lectures autour du thème de cette année, c'est tout ce qui est les rivières, les fleuves. Donc il y aura le collectif Éphémère qui va venir raconter des histoires et des extraits de textes, de contes, de romans, tout ça en rapport avec la rivière. Ça va être quelque chose de très très sympa, un petit peu de spectacle vivant de temps en temps, ça fait du bien. Donc, surveillez bien notre communication, vous allez voir ça passer. Et puis, comme d'habitude, inscrivez-vous pour être sûr d'avoir une place, parce que quand c'est à l'auditorium, bien sûr, les places sont limitées, parce que bah, l'espace, on ne peut pas l'agrandir à l'infini. Donc, et pour des raisons de sécurité aussi, le nombre de places est limité. Voilà. Inscrivez-vous, surveillez tout ça, et ça se passe à Cône le 28 novembre. Et donc, à Donzy, nous avons, à partir du 12 novembre, nous avons une exposition autour des poissons de rivière. Et le 20 novembre, nous avons une journée, du coup, consacrée à tout ça, avec de 10h à 12h un atelier créatif et de 14h30 à 16h30 une présentation des poissons de rivière et de la pêche. Ensuite, le 16 novembre à 15h, nous avons une projection débat autour de la rivière à l'occasion du mois du Doc, du coup, qui s'inscrit pour une fois dans Grand Chemin. Et donc le documentaire La Rivière de Dominique Marché sera diffusé, suivi d'un débat avec Léa Frottier, qui est animatrice du contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou. Et on terminera ce mois de Grand Chemin, en fait, avec le samedi 30 novembre, une lecture spectacle autour de la rivière, avec Carole Guita, qui viendra présenter une lecture spectacle du chapitre La Rivière, extrait du capitaine Burle d'Émile Zola. J'aimerais enchaîner sur la même journée, mais à Cône, sur un événement qui malheureusement est déjà complet, à l'heure où on vous parle. Après, vous pouvez toujours vous inscrire pour être sur file d'attente au cas où des gens se désistent, mais je crois que là, ça va être compliqué, parce qu'il faut que beaucoup de gens se désistent. Nous avons le Créatech le 30 novembre à 15h, autour des décorations de Noël en macramé. Donc présenté par Émilie, une collègue en secteur adulte. Et donc voilà, on va enchaîner sur la dernière partie de cette semaine d'actu, à savoir les rendez-vous réguliers. Exactement. Alors, les petits rendez-vous réguliers, c'est ceux qui reviennent tous les mois ou presque. Vous retrouvez notamment le club lecture qui, on le rappelle, est ouvert à tous. Donc, si jamais vous voulez venir discuter de vos lectures récentes en roman, là plutôt, eh bien, faites-le nous savoir. Il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde. Si ça vous intéresse, le prochain créneau, c'est le 9 novembre. Donc, ça, c'est le samedi matin de 10h à midi. Et nos collègues Myriam et Émilie, pardon, et Élodie, vous accueillent toujours en grande pompe avec un petit café, des thés, des petits gâteaux. Donc c'est toujours un moment très très sympa, discuter de littérature, des romans qui sortent en ce moment, et tout ça dans un cadre convivial, dans les petits canapés. C'est vraiment un truc sympa à faire. Qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans ensuite? Ensuite, on a aussi des murmures de contes. Des murmures de contes à Cône le 13 et le 27 novembre. Et le prochain, normalement, c'est le 30 octobre déjà. Voilà, Qu'on skip juste pas après. les dates. Donc, ensuite, ouais, on a le 13 et le 27 novembre. À Donzy, on a le 16 et 30 novembre, puisque celui du 19 octobre est passé.
Ensuite, on a des ateliers livres découpés avec Chantal. Donc, à savoir le 28 novembre et le 24 octobre. Il y en a un le 24 octobre, là. Donc, cette semaine, si vous voulez vous inscrire, je crois qu'il reste un peu de place. De 14h à 16h, ce sera un motif sorcière pour accompagner la période d'Halloween. Et nous aurons aussi un motif coquille de Saint-Jacques de Compostelle le 28 novembre de 14h à 16h. Sachez que le motif sorcière est à partir de 10 ans et le motif coquille Saint-Jacques est à partir de 8 ans. Ensuite, nous allons aussi avoir des cinémômes. Aura un le 30 octobre. Je ne peux pas dire le nom du film. Je vous invite du coup à venir voir en médiathèque, puisque vous pourrez demander à vos médiathécaires comment s'appelle le film. Et ensuite, eh bien, nous avons en dernier, dans le secteur image et son, les impressions 3D, le 6 novembre de 14h à 17h. Alors j'aimerais revenir là-dessus rapidement, parce qu'en fait, histoire que ce soit plus clair pour tout le monde, en fait, les impressions 3D, avant on avait Régine qui venait pour faire des ateliers impression 3D, sauf qu'elle ne viendra plus. Voilà, pour des raisons personnelles, pour des raisons qui ne regardent que nous, en soi. Et donc du coup, on a remplacé les ateliers numériques. Je le dis parce qu'en fait, on a plein de gens qui viennent nous demander où est la dame, etc. Qu'elle ne viendra plus. Nous avons remplacé les ateliers impression 3D par des prises de rendez-vous, en fait, dans lesquelles vous nous proposez des modèles où vous nous demandez d'imprimer telle ou telle chose, si on trouve, etc. Nous, on vous propose un tarif en fonction du temps que ça prend, en fonction du fil que ça consomme, et en soi, on vous prévient déjà si c'est possible ou pas. Et voilà, donc ce sera la prochaine fois, le 6 novembre, de 14h à 17h. Rendez-vous en secteur images et son, et pas informatique. Et nous prendrons vos demandes. Ok, donc on vient et puis par exemple, si moi je veux une figurine de Son Goku, je viens, je demande et puis tu me dis si c'est possible ou pas. Tout Et à fait. après, Après, si tu as un modèle 3D, ouais. en soi, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir exactement ce que tu veux. Et du coup, une fois qu'on a ce modèle, nous, on le passe dans nos logiciels, on voit combien de temps ça va prendre. Après, on a l'impression en réel qui prend des fois un peu plus de temps que la théorie. Et ensuite, on te dira si c'est possible, combien de temps ça prend, combien ça coûte aussi, parce que les impressions sont payantes. Le tarif est affiché en informatique. Donc n'hésitez pas à venir voir également. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour les médias d'actu. Tout à fait, il reste juste les petits après-midi jeux. Oui. Alors cet après-midi, il y en a un à Donzy. Il reste des places, donc si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez aller voir ça. Et il y en a un ce vendredi, c'est à partir de 14h, hein, les après-midi jeux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 14h ou 14h, ouais. 16h? Ouais, c'est bien 14h. 14h, très bien. Et il y en a un donc vendredi à Neuvy. Si jamais vous êtes dans le coin également, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux jeux ou des petits jeux de saison, hein, type Halloween, avec Elodie qui fait ça très bien. Et c'est toujours des petits moments très sympas et conviviaux. Tout à Voilà fait. pour les actus de la médiathèque. Maintenant, on va parler d'actu-actu. Et comme on est deux gros joueurs de jeux vidéo et que les sorties de fin d'année vont commencer à se précipiter à nos portes, dans nos Game Pass et dans nos boîtes aux lettres, nous allons parler en premier de l'actu Xbox, puisque c'est. On va parler en vrai des deux consoles qu'on a à la médiathèque, histoire de voir aussi quel jeu on aura prochainement sur ces consoles. Donc on va commencer par l'actu Xbox, et je laisse Manon. Alors, en premier lieu, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas, à partir du 20 novembre, vous pourrez enfin jouer à Genshin Impact sur Xbox. Alors, le jeu, ça vous plaît pas, mais en attendant, c'est bien de le noter qu'il arrive sur Xbox parce qu'il est toujours pas disponible sur Switch. Moi, je voulais y jouer, et ben, ça fait un moment que je range mon frein, et puis je verrai, comme ça je vous dirai la prochaine fois si c'est intéressant, si ça valait le coup d'attendre ou pas. Du coup, j'ai une question quand même sur Genshin Impact. C'est quoi le jeu? Parce que je Ben, vois tu des. sais, c'est le jeu qui a copié Breath of the Wild.
Ah, c'est celui-là. Non, non, c'est ce qu'ils ont dit, mais oui, Parce bah, qu'il y en a ça doit plein être un. qu'on plagie Breath of the C'est Wild si on en ça, parle non, là, c'est mais. un action RPG. D'accord. C'est Oui, plutôt chinois, je type le crois, chinois-japonais un peu. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, littéralement, dans un Ok. monde fantastique. Et tu as des personnages, tu les récupères là, via la mécanique de gacha, c'est ça. Ouais, Tu où dois tirer des tu vas cartes tirer ou des avoir cartes et une puis. roue, et puis pof, t'as ce personnage. Et puis ils ont chacun une histoire quand même. Ils t'explorent différentes régions. Donc, Mais du coup, c'est free to écoutez. play. Et c'est free to play, c'est ça, Donc, il y c'est a des ça. trucs payants dedans. Et il y a des trucs payants, T'es tout à obligé de fait. payer pour jouer Non, ou. non, non, non. Tu peux Sauf jouer si tu veux sans. avoir des personnages 5 étoiles, c'est toujours les mêmes trucs comme ça, quoi. Mais du coup, si t'as pas de personnage 5 étoiles, tu peux quand même avancer Bah écoute, je vous dirai ça quand j'aurai testé. ou pas? Ok. J'ai vu que t'avais rajouté Ashan aussi sur la liste. Tout à fait. Mais. Je l'avais vu sortir sur Switch, celui-là, et comme c'était en coop, c'était pareil, en action RPG, il me semble. Ou un Alors, c'est même un Souls-like Ouais, bah oui, voilà. en Mais tu vrai. pouvais jouer en coop, donc c'est Tu ça peux jouer en coop, oui. Tu qui peux jouer m'avait en coop. branché, parce que je cherche toujours des jeux avec lesquels je peux jouer avec ma soeur. Ah, Ah, oui, tu veux être dire en coop, écran scindé? c'est ça, en Ouais. split screen. D'accord, ouais. Donc, ça avait l'air d'être le cas. Il me semble qu'on peut, ouais. Et comme il sort le 29 octobre, là, ça se rapproche, tout ça. Eh ben, Donc. tiens, si tu cherches des jeux en vrai en split screen avec ta sœur, il y a Outward aussi. Je sais pas si tu connais. Sur Xbox, il est payant, hein, il n'est pas dans le Ah, Game ouais. Pass. Mais c'est un jeu, il n'est pas très cher. C'est un jeu très dur, D'accord, mais très cool. En vrai, c'est un jeu d'exploration où tu contrôles un lambda en fait. Et le D'accord. but, c'est de devenir fort en fait. Mais c'est de la vraie exploration et de la survie quoi. Donc on est dans du. Dans du. Oh là, faut que j'apprenne la magie, tu vois. La magie, elle n'est pas illimitée. Tu vois. Où est-ce que j'apprends à tirer à l'arc plutôt, etc. Faut chasser, Chasser. faut se nourrir, faire des feux de camp et tout. Non, c'est très bien, c'est très dur tout seul. Alors, à deux, j'ai jamais testé. Ouais. Mais tu peux tester. Ward. Outward. Très bien. Et donc ensuite, on a Stalker 2, qui arrive le 20 novembre aussi. T'as joué au premier, toi, ou J'ai pas? joué au premier, Ah. ouais. J'adore Stalker, j'adore Ouais. le délire. C'est très dur. C'est très dur. Et disons que ce jeu a eu quelques soucis de production, notamment parce que les développeurs sont ukrainiens et que, Et forcément, hein, quand même. en pleine guerre, dans tous les cas, enfin, on va dire crûment les choses, il y en a qui sont morts, puisqu'ils ont continué à se battre, en fait, sont restés en Ukraine pour continuer à développer le jeu, et il y a des développeurs qui sont morts en cours, donc le jeu a été reporté, puis reporté, puis re-reporté, puis re-reporté. Parce qu'à la base, n'oublions pas qu'il devait sortir en 2021. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Et toi, est-ce que tu as joué à Stalker 1? Eh bien non. Et dans mon ignorance, je me dis que c'est un peu comme les métros. Ai-je tort, ai-je raison? T'as à moitié tort, à moitié raison, en fait. Ouais. Disons que c'est un peu plus. Déjà, c'est un Trash. peu plus en surface que les métros. Oui, Ce bah qui est oui. pas trop difficile à comprendre. Mmh. Et c'est un peu plus de l'exploration et de la survie que Métro, en fait. Métro, c'est assez linéaire, mine de rien. Oui, C'est tout à très. fait. Sauf le dernier qui est un peu Ouais, plus qui est un peu open plus world, open mais world, mais Stalker, c'est très ouvert et c'est un monde très ouvert. survie. D'accord. Survie. Faut changer les filtres aussi. Ouais, il y a Enfin, des trucs comme voilà. ça. Et Changer le masque. je crois, si je dis pas de bêtises, ça a revérifié, hein, mais il me semble qu'ils sont partis sur le fait de refaire les deux premiers. Enfin, les deux premiers. Le 1 et son extension, entre guillemets. Sur Xbox et tout ça, et je me demande si c'est pas sorti d'ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, c'est ça? Alors, est-ce qu'ils ont reconstruit un peu les lieux ou est-ce que c'est inspiré? Est-ce que C'est très c'est ce qui inspiré, me semble, hein, c'est ça qui est aussi et en fait, à intéressant. la base, c'était, je crois que le bouquin de base, vu que c'est Ouais. basé sur un bouquin. Ah, ah, tu n'avais pas ça. Il se passe pas du tout là-bas. D'accord. Parce Bon. que. Et puis d'ailleurs, l'histoire n'a quasiment rien à voir. En fait, mais du coup, oui, c'était. Ça, vu que ça se passait avant, en fait. Ça se passait avant l'événement de Tchernobyl dans le livre. Et oui, je devais regarder l'ordi. J'ai rajouté un peu de gain parce que j'ai des retours disant qu'ils n'entendent pas grand-chose. Mais comme j'ai aucune précision sur qui, vous Ah. seriez gentil de dire qui vous n'entendez pas beaucoup. Parce qu'au vu des vues maîtres, là, ça n'a pas l'air d'être.
parles voir toi un peu? Bah oui, si je parle là, est-ce que tu Pour m'entends? moi, on Pourtant, t'entend. j'essaye d'être là vers le micro, Bah ouais, pour mais moi t'es bon. dans le jaune, donc comme ton micro. Eh ouais, voilà, super. Mais bref, Stalker 2, donc ouais, un jeu attendu et plus attendu d'ailleurs en fait, parce qu'au final les gens sont un peu lassés. C'est le problème. Manon, rapproche le micro. D'accord. Manon, moins. Ok, on m'entend moi. Comme d'hab. Voilà, c'est ça. C'est ça d'avoir une grosse voix et une petite voix à Tout à côté. fait. J'essaye, hein, mais Normalement, non bon. mais là, normalement, on t'entend, t'es même quasi dans le rouge quand tu parles, donc. Voilà, je l'ai rapproché, c'est peut-être pour ça. Ouais. Sinon, je peux faire comme ça aussi, hein. Là, t'es dans le rouge. Mais donc, ouais, Stalker 2, attendu et moins attendu, parce que les reports ont tué la hype, on va dire. Et donc, en dernier jeu Xbox, là, le 9 décembre. Alors, comment. Comment aborder ce sujet? Tintin. Alors, on a un jeu que personne n'attendait. On va le dire clairement, personne n'attendait ce jeu. Et je crois qu'il y a des gens qui l'attendent. C'est tant mieux. Nous, on n'est pas forcément très hype. On va le tester quand même. Tu vas le tester, toi? Non, pour de vrai. Absolument, oui. Je Non, mais en serais plus, pas on. du tout occupé avec un autre jeu à ce Non, moment-là. mais on s'en fiche. Enfin, Non, je non. dirais, il est gratuit quasi pour nous. Game Pass, donc on pourra le tester quand même, au moins, Ouais, et faire un d'accord. petit retour, Juste pour hein, en parler au prochain juste live. pour en Ok, parler au prochain d'accord. live, Ok, très dire ce bien. qu'on en a pensé, oh, Manon. Indiana Jones et le Cercle Ancien, non, je sais plus ce que c'est le titre. Je sais pas du tout. Je regarde en même temps sur Internet. Hein. Et le Xbox, Cercle Ancien, dis donc. purée, waouh! C'est inspiré d'un film ou c'est encore un truc C'est un truc original? original. Alors, on va parler C'est le dieu ou rapidement. c'est le jeune Indiana Jones? C'est le C'est Indiana Harrison Jones, Ford ou c'est c'est pas Harrison Harrison Ford. Ford? C'est Harrison Ford. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Indiana Jones, est-ce que tu as déjà joué à des jeux Indiana Jones? Absolument pas. D'accord, ok. Moi j'en ai joué à un, deux, même deux, J'ai ouais. vu les films, c'est tout. J'ai joué à celui sur Super NES, je crois, mais alors vraiment vite fait. Et j'ai joué à celui sur Xbox, qui était le temple, l'empereur maudit, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, et c'était très cool parce qu'en fait c'était un simili Tomb Raider à une époque Ouais. où Tomb Raider était tombé en désuétude et puis on était au 5 ou un truc comme ça et c'était nul, c'était nul. Et du coup bah Indiana Jones c'était très cool, en plus il y avait la mécanique du fouet etc. Donc je suis un petit peu hypé. Moi ce qui me gêne un petit peu dans celui-là c'est que c'est un FPS. Ah bon? T'as un gun ou quoi? Man. Ou c'est ton fouet Ton qui fait? fouet, et puis tu te bats à main nue souvent, enfin, comme il dit en fait dans les films. T'as un revolver, mais évidemment, ils ont précisé attention, on s'en sert pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu étrange comme choix de. Mais pourquoi pas, hein, le sous-texte de ce titre, c'est Vous êtes Indiana Jones. Donc là, littéralement, on est Indiana Jones, ouais. C'est développé par les mecs qui ont fait Doom. C'est Bethesda. Ouais, alors Non, attention, pas non, c'est pardon, ID qui? Software. C'est ID Software. Vas-y, excuse-moi, Attention, j'ai attention. confondu, désolé. C'est Bethesda qui est producteur, mais les développeurs, c'est ID Software. Et dans aucun Doom, il y a des bugs. Très bien. Et je tiens à préciser que si vous n'avez jamais joué à Doom et que vous avez 18 ans ou plus, jouez à Doom. Que ce soit celui de 2016, que ce soit Eternal, que ce soit le prochain qui arrive aussi, l'an prochain, qui est en open world et qui va être trop bien. J'ai tellement hâte. Et d'ailleurs, même si vous avez qu'une Switch, jouez-y sur Switch. Parce que les portages sont quand même extrêmement propres pour avoir joué aussi sur Switch. Et donc, on va passer maintenant à l'actu Switch. On est pile poil dans les temps. Oh là là. Il est 10h31, on devait aller sur l'actu Switch à 10h30. Et donc, je vais laisser la parole à Manon un peu plus. Puisque ça la concerne beaucoup plus. Et oui, qui c'est qui joue sur la Switch tout le temps? C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant sur notre petite Switch préférée? Eh bien, commençons avec un jeu qui est déjà sorti, là, il n'y a pas longtemps, c'était le 20, je crois. C'est le nouveau Mario Party, Jamboree, je crois, il me Ne semble. regardez Voilà. pas la pub. Qui nous promet des choses 17 octobre. fort intéressantes le 17 octobre. Bon, j'étais au 20, c'était pas trop Ouais, loin. c'est pas loin, c'est pas Hein? Et qui permet de jouer à plusieurs en ligne, il me semble. Donc, ça a loin. l'air vachement sympa.
Et avec des nouveaux plateaux, des nouveaux personnages anecdotiques, certes, mais bon, il y a quand même un nouveau personnage. Et puis un petit Mario Party quand même, ça fait plaisir. Tu penses qu'il sera disponible à la médiathèque à un moment, d'ici l'année prochaine, dans votre prochaine commande Je crois peut-être? qu'il est déjà dans les paniers, Ah, cool. Cool. à confirmer. Dans À tous les cas, confirmer. en général, les Mario Party, c'est des jeux qu'on prend. Bah oui. Parce que c'est des jeux qui. On a déjà Mario Party Superstar et Super Mario Party à la médiathèque. Ah bah oui. Et parce qu'on oublie de le préciser pour ceux qui nous rejoignent sur Twitch. On a un secteur jeux vidéo dans lequel vous pouvez emprunter des jeux soit de PS4, soit de Switch, en fait. On n'a pas encore de jeu Xbox, on ne sait pas si ça arrivera. Après, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, j'avoue, moi j'aimerais bien. Hein. Mais en soi, en même temps, le parc physique de Xbox est quand même C'est assez. compliqué, oui. C'est très digital, hein, avec le Game Pass. Mais du coup, oui, mais Super Mario Party Jamboree, probablement. Probablement. Et en novembre, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est le nouveau RPG Mario. Et attention, c'est pas seulement Mario, puisque c'est Mario et son frère Luigi qui partent pour une épopée fraternelle. Et autant dire que celui-là, je l'attends plutôt avec impatience, parce que la dernière fois qu'on a eu un Mario et Luigi, eh ben, ça commence à dater. Si je dis pas de bêtises, le original, enfin, le dernier vrai épisode original qu'on a eu sur 3DS, c'était Dream Team Bros, à moins qu'il y en ait eu un autre après. Après, ils ont fait un remake de Voyage au centre de Bowser.
parce que tu étais sur la Ouais, vidéo. ouais, ouais. Donc peu importe, on va pas remettre la vidéo, hein, tu sais quoi. D'accord, bon, bah, pas de vidéo. Tant pis, on verra ça plus tard. Donc on disait que c'était vraiment bien et que Ouais. c'était en tour par tour, quoi. Voilà, Et c'est que du ça. JRPG et C'est ça. en fait, on s'est tapé une petite discute entre nous là. On a parlé de totalement autre chose. Vous n'avez pas besoin de savoir, hein, de toute façon. Oh non, c'était juste Mario et Luigi. Oh, il y Mario a et une grosse Luigi, fumée et puis il y a une grosse quoi? sur le trépied de la caméra. Bref. Il y a une grosse quoi? Punaise. Je la vois pas. Bah, elle est partie derrière, c'est pour ça. Hein? Bref. Et donc, oui, Mario et Luigi, désolé hein, pour le son. On revient hein, tout petit à petit, donc on a encore des bugs et des trucs qu'on n'a pas réglés, hein, qu'on réglera. C'est ça. Dans tous les cas, Mario et Luigi, bah, Jeu à suivre, jeu en à tout cas, suivre. ça arrive bientôt. Et on disait aussi que Mario Wonder était trop facile Voilà, et que c'est c'était ça. plus axé pour les gosses. C'était très très joli, très 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 bien, mais bon, au bout Très d'un gosse. moment, tu t'ennuyais quand même en tant que public déjà adulte, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes des jeunes adultes, mais nous sommes des adultes quand même. Alors, jeunes adultes, Tout est relatif, tout est relatif, mais mais jusqu'à 30 ans, tu es un jeune adulte, et après, tu ouais, deviens un mais moi vieux je les ai adulte. presque là, tu vois. Oui, mais tu les as pas encore, c'est ça la C'est pas nuance. faux. C'est pas faux. C'est ça qu'il faut voir. Donc, on va continuer là sur nos sur un autre truc. On a appelé ça comment? Like ou dislike? Voilà. Like ou dislike, mais à titre personnel, et je vais laisser Manon complètement Commencer. commencer avec son coup de cœur jeu vidéo dont elle me parle depuis. Dis pas ça comme ça, on dirait que je t'ennuie avec mes Non, oh non, et je plaisante. oh. Non, mais par contre, attends, j'ai une question de Yuméa, qu'on connaît bien. Ah Bonjour oui. Elodie. Est-ce qu'un jour Nintendo va nous sortir autre chose que Mario? Mais il n'y a pas besoin, Mais c'est pourquoi? vachement bien Mario. Joue à Pourquoi? Super Mario. Ah, j'ai perdu le nom. 3D là. Ah, crotte. 3. 64, Super Mario 64. Et là, tu verras qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que Mais non, Mario. mais on est d'accord. On en a pas marre de Mario, pourquoi tu. Moi, j'en ai marre de Pikmin, tu vois, Ça par contre. commence avec un Y. Ouais, le jeu dont tu vas parler. Ah bah oui, bien sûr, parce que j'en ai parlé aussi à cette certaine personne dont vous vous rappelez peut-être et qui s'appelait Elodie. Exemple. Voilà. Et donc, Mais donc ouais, non, Mario, je suis pas d'accord. Mario, Je c'est trouve très c'est très cool bien, Mario. contrairement à Sonic qui fait les choses bien. Ouais, est-ce que disait je sais plus quelle streameuse, c'est Sonic, on est tous d'accord Ah, tous, pour être fan de l'univers, le Sonic et tout. Mais on personnage. est tous d'accord aussi pour dire que bah, les jeux sont nuls. Voilà. Voilà. Les derniers jeux sont nuls. Et puis bah Sonic. Qu'est-ce qui est bien dans Sonic? La musique. Les films. Voilà. Waouh. La série. Ouais, je viens de dire un truc là, Ouais. ça a dû choquer du monde. Mais oui, regardez les films Sonic. Mais oui. Parce qu'ils sont bien. Parce Pour de qu'ils ont vrai. refait la tête de Sonic, donc ça passe Voilà. vachement mieux. Ça passe quand même vachement mieux. Mais pour en revenir à Mario, non, je suis désolé, mais Très Mario, très bien c'est Mario. masterclass sur On attend masterclass. le prochain film d'ailleurs. Oui, On d'ailleurs. a Et puis, hâte. mais tout l'univers Mario est masterclass. Et il y a tout. Mario Kart, Mario Golf, Mario Superstar, Mario. Qu'est-ce qu'on a eu Mario d'autre? Party, Mario Party, Mario et Luigi, Super Mario et Mario. Sonic aux Jeux Olympiques. Enfin, même Mario a Oh. ramené Sonic sur le devant de la scène, quoi. C'est grâce à Mario que Sonic existe encore. Non, mais Oh, pour de pauvre vrai, pour de vrai, Sonic. non. Je suis. Mais à ce moment-là, on peut dire la même chose de Zelda. Hein. Je veux dire, on en a marre de Zelda à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il y en a trop. Non. Mais il n'y en aura jamais trop de Zelda. Non. D'ailleurs, toujours pas. Echoes of Wisdom, là, t'as Ah, toujours pas toujours essayé. pas. Non, désolé. Ça aurait été intéressant, mais Moi non, non nous plus. n'avons point joué à Echoes of Wisdom. Ouais. Nous ne sommes pas très sages à ce sujet-là, d'ailleurs. Non, puis en vrai, je sais pas, celui-ci, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis un peu de côté, étrangement. Enfin, il n'y a pas eu trop de promos. Bah, on en a entendu parler au début, et puis. Non, ça c'est pas possible, on en a un tous les 10 ans. Un Zelda? Non? C'est pas vrai. C'est pas grave. C'est pas On vrai. en a eu un en 2017 et un autre en De 2023. 4, 2023, 23, 23, 3, 3, voilà. 3. 6 ans. Et entre-temps, est-ce qu'on n'a pas eu Link's Awakening, je crois? Peut-être si. Si, 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 on a bah eu si, il est Link's sorti Awakening sur entre les Switch. deux, ouais. Oui. Et puis ils ont refait Skyward Sword. Ils ont refait Skyward Sword, donc en fait, en 6 ans, on a eu deux Zelda de plus. Et on a eu ensuite tous les jeux aussi qui sont sortis sur le Switch Online. Hein. Ah oui. Ils sont, il y a quasiment tous les Zelda d'ailleurs. Et on a eu ensuite eh ben, Echoes of Wisdom, donc seulement un an après Breath of the. Tears of the Kingdom. Tears of the Wild. Tears of the Wild. Absolument. D'ailleurs, apparemment, pas de aucune suite n'est prévue. Et c'est peut-être pas plus mal, mais ce Et sera oui, ouais, c'est peut-être
mal parce que. D'ailleurs, Elodie, tu peux nous parler de la fin de Tears of the Kingdom, Ah, s'il est-ce te que tu plaît? l'as fini? Est-ce que tu as enfin battu Parce Non. que je crois. Je crois. Non, elle vient Non! pas rejouer, tu Non! vois. Elle joue Animal Crossing, mais alors par contre, Zelda, pop, 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 pop. Ouais, alors non, Zelda, on en a un tous les 10 ans, mais t'es pas capable de finir le dernier! Voilà. Sur ce, Allez, on va enchaîner. parlons d'une autre saga bien moins connue, celle-là. Et pourtant, les amis, qu'est-ce qu'elle est bien, même si Brendan n'y a pas joué. Non, et j'ai très envie d'y jouer. En fait, Mais j'ai très envie de parfaire ma culture en JRPG, en tout à soi. fait. Et je vais le forcer à y jouer, puisqu'il y a la démo Mais je pense du que. 10e épisode qui est disponible sur Switch Je pense et que ça a sur l'air vachement mieux PS5. déjà que les manas. Après, C'est je pas Square critique pas, Enix hein, déjà. je critique pas les manas, mais. Trials of Mana, ça qu'on a dit. Ouais. Moi j'avais testé la démo, j'avais arrêté, je m'étais ennuyée. Ouais. J'ai joué 8 heures dessus, mais en fait, sur 8 heures, il a dû me regarder 7 heures le jeu, parce que je me suis endormi devant. Et en général, c'est pas gage de qualité. Mais bon, après, je comprends que des gens aiment. Après, moi, je suis pas du tout fan de cet univers, mais ça a l'air sympa. Voilà, YS, voilà ces gars dont nous allons parler. Is, c'est une série qui a commencé dans les années 80. Attends, je teste en même Putain, temps. quand même. Oh, t'es pas obligé de me mettre en grand, c'est pas grave. Est-ce qu'on t'entend là, si je fais ça? Est-ce que vous m'entendez toujours alors que je raconte des choses sur cette merveilleuse saga qui est Attends, je Is regarde. Ah, bah et voilà! qui est malheureusement pas beaucoup connue du public de chez nous, quoi? Encore heureux que c'est édité de notre côté, mais vous allez voir que bah, malheureusement, c'est pas autant connu que d'autres JRPG, notamment édités par Square Enix. Bref, revenons sur Is. Je vais vous parler entre autres du 9e épisode, celui-ci, qui s'intitule Monstrum Nox, et que j'ai enchaîné après avoir terminé le 8. Le 8e épisode qui est le plus connu et qui s'intitule Lacrimosa of Dana. Et si vous avez un épisode à faire dans cette saga, et ben c'est bien celui-là, c'est le 8e. Mais on va pas en parler aujourd'hui parce que sinon je vais vous faire un live jusqu'à Un la peu de fin temps, de la un journée. peu de temps, ouais. Bon, on verra si j'en parle, mais en tout cas. L'histoire de Is, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour les plus bretons d'entre vous, vous aurez reconnu cette île légendaire Is dans les légendes bretonnes qui a été engloutie par les flots, si je ne vous dis pas de bêtises. Dans cette saga, c'est une île, comment est-ce qu'on dit, une île céleste qui s'est retrouvée. Je ne sais plus si elle s'est écrasée ou si au contraire elle s'est élevée. Bon, bref, voilà, ils ont un peu détourné la légende bretonne. Et ce qui est vachement sympa, c'est que ça se passe dans une Europe médiévale et fantastique. Hein. Ils ont pas repris quand même les noms des pays européens. Mais ce qui servait de France à l'époque, la Gaule, on l'a appelée Glia. Vous avez Britaille, qui nous fait penser britannique, tout ça, tout ça. Ils ont pas été très inspirés pour le continent d'Afroka, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, non, il y a des parallèles entre le monde réel. Ils ont repris toutes les guerres qu'il y a eu et tous les lieux en version fantastique. Et ça, c'est très, 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 très sympa de voir les petits liens entre les deux. Et sur Monstrum Nox, nous nous retrouvons dans la capitale de Baldouk, la capitale de Glia, donc qui fait office de Gaule, je vous disais. Et c'est un Paris version fantastique, puisqu'on retrouve une grande prison. Donc à l'époque, ça nous fait penser bien sûr à la Bastille. Donc il y a beaucoup de petits parallèles comme ça avec l'histoire de France et dans un JRPG japonais. Je trouve que c'est très très sympa de noter ça, qu'ils ont fait leurs petites recherches et qu'ils ont tout détourné ça à la sauce fantastique. Il y a notamment le fleuve la Loire qui coule dans la ville. Voilà. Alors moi quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a bien fait rigoler. La Loire dans un Paris fantastique. Fallait le faire. Et ben, merci les Japonais, merci Falcom. Heureusement que vous êtes là pour nous faire des petits trucs comme ça. Et autrement, Is, qu'est-ce que c'est? C'est une série de
action RPG. Donc autant vous dire que l'histoire est très 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 importante et ce qui est vachement bien, c'est qu'on a plein de personnages, des personnages secondaires, mais qui sont bien caractérisés et qui ne sont pas là juste pour servir par exemple de valorisation du personnage principal ou t'es là juste à un moment pour faire la blague ou t'as les blagues récurrentes avec tel personnage qui est cantonné à un truc. Non, chaque personnage est bien développé, a sa petite histoire. Et alors, comme tu le disais, c'est un jeu bavard, sûrement. C'est ce qui peut en Alors, freiner rebuter des quelques-uns. gens. Cependant, une fois que comment est-ce qu'on dit? Tu te mets dans l'histoire après. Eh ben, c'est que du plaisir, puisque entre les phases d'histoire, l'action, les personnages qui se déroulent petit à petit, eh ben, c'est un bon mélange, quoi. Après, voilà, bon, tout est doublé. Des fois, il y a des personnages qui passent pas vite, qui parlent pas vite, donc on le passe, hein, mais ça, c'est le truc avec les doublages japonais. Enfin, si vous avez déjà joué à un jeu avec un doublage japonais, vous savez qu'il y a du très bien et des personnages, genre une petite mamie qui va dire. Ah bonjour, je suis. Et tu dis, allez, passe, 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 passe. J'ai envie de savoir la suite, moi. Remember les Fire Emblem sur Switch. Eh ben oui, non, c'est toujours le même truc avec les doublages. Des fois, ça. Mais autrement, ça n'enlève pas que nous sommes face à une mystérieuse madame. Attends, est-ce qu'on Ah passe tiens, par là vous la voyez. là? Un petit Alors peu. attends, un petit peu. Une mystérieuse madame qui va apparaître devant les yeux de Adol. C'est donc le personnage principal, Adol, et qui va le transformer en un être surnaturel qu'on appelle, hein, vous l'aurez compris, les Monstrums, et qui semble être maudit. Il y a d'autres personnages qui sont dans ce cas-là et qui vont se retrouver à combattre des monstres sortis, on dirait, d'une autre dimension. Alors, j'ai pas fini le jeu, donc j'ai pas tous les éléments d'histoire et je vais pas tout vous spoiler, bien entendu. Et on affronte donc des vagues de monstres et face à ce personnage mystérieux qui, au départ, apparaît pour vous dire, allez, il faut vous battre. Et on comprend que, en fait, derrière ça, il y a quelque chose de plus profond, une histoire, sans doute une guerre qui dure depuis très très longtemps contre des forces maléfiques. Autrement, donc je vous disais qu'on affronte des monstres, et ce qui fait le sel de Is, c'est que c'est un gameplay très dynamique, on ne s'ennuie pas, pour être honnête. Le défaut de celui-là, c'est que ça se passe un peu dans la ville, donc dans un monde un peu ouvert, et sur Switch, bah, autant vous dire que ça rame un peu du derrière, mais ça n'entache pas le plaisir de jouer. Si on veut en aller par là, le 8 est quand même mieux optimisé. Et si je vous parle de celui-là, qui n'est pas un jeu récent, puisqu'il est sorti en 2021 chez nous et en 2019 au Japon, notez le petit délai, le temps qu'il soit adapté, traduit, tout ça. Puisque c'est une saga niche hein, quand même, Oui. c'est pas très 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 connu. Moi, je déplore ça que ce ne soit pas plus connu. Alors que c'est une très 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 bonne série qui vous implique dans le jeu et qui fait voyager, puisque c'est quand même ça le sel de l'histoire, c'est que ça nous transporte dans un monde fantastique où l'aventure est ponctuée d'une musique incroyable, puisque c'est du rock ou du hard rock progressif. Et alors ça, je vous dis pas, dans le 8, quand vous commencez le jeu, vous avez fait le tutoriel, vous vous retrouvez sur votre île déserte, et que là, tout d'un coup, il y a la guitare électrique qui se met à jouer, avec les petites musiques, les petits pianos, je vous dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est trop bien! Ça vous met dans l'ambiance de l'aventure, et avec avec une patte unique, quoi. C'est pas souvent qu'on voit ça. D'habitude, c'est toujours les musiques orchestrales, très belles, magnifiques, tout ce qu'on veut, type Dragon Quest. C'est vachement bien aussi. Mais alors là, quand vous avez ça en plus sur les combats avec la musique quasiment métal, tout ça, hardcore. Oh ouais, ça. Franchement. Et du coup, il y a le disque qui est sorti, c'est ça? Et le 10, il va sortir le 25. Parce que là, je vous ai parlé du 9, mais le truc intéressant, c'est qu'il y a le 10 qui va arriver seulement un an cette fois après la sortie japonaise. Donc ça y est, quand même, ils vont avoir pris le truc et
les développeurs, ils ont, enfin le directeur de la série, il veut que ce soit plus, enfin qu'il y ait moins d'espace entre les sorties entre le Japon et l'Amérique, enfin les Amériques et l'Europe. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisque dans le 10, nous partons cette fois-ci. Comment dire, ça va être une aventure plus navale, plus maritime, toujours avec une histoire incroyable qui vous plonge dans son histoire et des personnages qui sont bien caractérisés, où on a envie on s'attache à eux. Enfin, c'est même pas qu'on a envie, c'est qu'on s'attache à eux directement du départ. Et là, on va suivre un duo, donc Adol, hein, toujours le personnage principal. Et une jeune princesse, on va dire des Vikings version fantastique. Alors bien sûr, là comme vous pouvez le voir déjà entre les deux bandes-annonces, il y a eu une sacrée amélioration graphique. Bon, ils sont partis sur un truc un peu plus cel shading type, ben, comme on disait, hein, Zelda, Breath of the Wild, Genshin Impact, tout ça. Et ben c'est pas moche franchement pour de la Switch en plus. Il est bien optimisé le jeu, il n'y a pas de chute de FPS Ouais. qui te Alors, ce qui fait peur saute aux quand même yeux là, quand c'est que c'est même. la version PS5 que tu rentres. Oui, bah alors après ils l'ont développé pour la Switch celui-là. D'accord, C'est aussi pour ça. Parce que dans cet épisode qui se passe avant par exemple le 9 ou le 8, on retourne dans la jeunesse d'Adol. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont développé normalement pour la Switch. Mais il est quand même 16 ans et plus, alors que les précédents étaient 12 ans et plus, parce que, petit truc sympa, il y a du sang, genre quand tu tues les monstres. Donc, et la démo est disponible pour celui-là. Et franchement, je pense qu'on va partir sur un voyage très, très, très intéressant, qui va nous dépayser et ben, faire du bien dans ce paysage vidéoludique où on nous sort des open world où c'est toujours la même chose. Là, au moins, on a une histoire un peu plus dirigiste, certes, au début, mais après, une fois que le tutoriel est terminé, enfin, le tutoriel, l'introduction, devrais-je même dire, ça va être très très bien. Donc, Ce qui est fou, c'est que Isdis, là, a l'air beaucoup plus ancré dans la mythologie nordique que Assassin's Creed Valhalla. et j'ai vu ça aussi, des gens qui disaient ça. Donc bon, Pardon et en effet, oui, bah, du pour le départ, tapis. on n'a pas Odin, mais il y a Har, ils l'ont appelé comme ça, et ils sont là par Har, nous allons aller au Walhalla Ouais, d'accord. si on meurt. Enfin bref, il y a un mort du départ, enfin, les Vikings ils rigolent pas, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une série qui est enfantine, quoi, même si les graphismes ils font animer. On peut se dire, oh, bah, c'est pour les mioches. Alors, non, 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 non. On aborde quand même des thèmes assez trash. Et pour des grands ados, des adultes, une grande saga d'aventure, d'action qui nous emballe. En tout cas, moi, je vous dis, testez. Faut pas avoir peur si vous trouvez qu'il y a beaucoup de dialogue. Alors, après, je ne sais pas, comparé à d'autres jeux, moi, ça m'a pas. Bon. Si le dialogue vous intéresse moins, il suffit de passer. Puis après, on a les phases d'action, enfin vraiment d'exploration aussi, parce que c'est très 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 important d'explorer sur ces petites musiques très très sympas, avec un gameplay nerveux, dynamique, et on ne s'ennuie pas dans un jeu IS, une saga à découvrir. Alors, à nous, à moi, du coup, on va rester au Japon un petit peu, et on va parler de Bandai Namco, et aussi, tiens, je glisse un mot parce que juste sur Is, parce que j'ai vu les bandes annonces et le gameplay là un peu. Dis-moi. C'est quoi le rapport avec Dragon's Dogma 2, du coup? Bah, il est monstre et tu l'étapes. Non, parce qu'on est un peu deg de pas vous avoir parlé, de pas avoir pu vous parler Bah de Dragon's oui. Dogma 2. Mais on verra si on fait un live Eh ben, pour Noël, t'inquiète, on fera un coup de Capicité cœur de aussi. l'année. Ouais, Peut-être, ce serait pas peut-être. mal, parce que ça a Ce sera été. peut-être Ismo. Ce sera peut-être Is. Ah ouais? Ah ouais, à ce Ah point. ouais, à ce Ah ouais, point? non, je te jure. Est-ce Ah, que moi, ça les. reste. Alors, bien sûr, il était incroyable, Dragon's Dogma, mais Ouais, j'avoue ça que reste Dragon's Is Dogma a 2. une patte. En tout cas, ça va pas être le prochain jeu dont je vais parler. Non. Parce que là, du coup, on va partir. Faut bien un rageux, quelque part. En Bah l'occurrence, ce ouais. sera moi.
Et on va parler d'un jeu qui est sorti récemment. On sait que tu finis pas tes jeux, de toute façon, Elodie, tu finis pas tes jeux. Moi non plus, j'ai pas fini, à vrai dire. Dragon's Dogma, tu l'as. Mais Non. purée, je suis le seul à l'avoir fini. C'est Ben chaud ouais, quand même. il était bien, mais j'ai pas autant accroché que le premier quand même. Mais bon, Alors, on en parlera une autre fois. on va en parler, ouais. Mais d'abord, on va parler de Bandai Namco. Et d'un jeu qui est sorti récemment. Ceux qui suivent assidûment l'actu de cette licence, on va dire, le savent. Comment passer à côté? Et comment passer à côté en même temps, après tant d'années d'attente, après 6176, puis ils ont compté les jours carrément. Jours. Ah oui, quand même. Ouais. On va parler de Dragon Ball Sparking Zero. Un dragon encore. Alors oui, effectivement. Alors, vous voyez des images là sur le côté, le jeu est incroyablement beau. Et comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, je suis un grand fan de jeux de combat. On a fait des lives tels que Mortal Kombat, hein, sur cette chaîne, entre autres, dans laquelle on a pu parler un peu des jeux de combat, et j'ai pu un peu parler de ma passion aussi à ce niveau-là. Et Dragon Ball Sparking Zero, en fait, pour éviter de parler de ce titre japonais, il s'agit ni plus ni moins de Tenkaichi, Budokai Tenkaichi 4, pour le coup. Mais en l'occurrence, on peut dire Budokai Tenkaichi 0. Donc le jeu, oui, parce qu'en fait, Budokai Tenkaichi, ça s'appelait les Sparking, Dragon Ball Sparking au Japon. Et donc, gros joueur aussi des Budokai Tenkaichi, qui sont des jeux de légende ultime, je m'attendais à dinguerie, comme disent les jeunes, un truc monstrueux qui allait m'exploser le crâne, sur lequel j'allais me bousiller mes manettes en disant waouh, c'est tellement bien et tout. Et que nenni. Que nenni. En fait, je sais pas comment expliquer. Le jeu est très beau, vous le voyez, hein, il est magnifique. Les techniques spéciales et tous les attaques, le fait d'avoir les costumes qui se déchirent, etc. C'est globalement la même chose que dans Xenoverse à ce niveau-là, même si c'est un peu plus Développé. développé, disons. Mais si vous deviez choisir, en vrai, c'est horrible ce que je veux dire, mais Xenoverse 2 est beaucoup mieux que Sparking Zero pour moi. Non, c'est alors, c'est tout est question de goût. Hein. Tout est question de goût. Je sais pas comment argumenter là-dessus, mais en fait, le feeling est très mauvais dans ce jeu. Dans un jeu de combat, la principale qualité d'un jeu de combat, c'est d'apprendre des boutons, apprendre des patterns, et de devoir les enchaîner le plus rapidement possible pour battre son adversaire. Enfin, ça, je l'apprends à personne, j'ose espérer. Non. Et donc, en fait, le truc, c'est que. Et puis de réfléchir aussi. C'est que dans Sparking Zero, en fait, faut mâcher le bouton X. Ou carré, ça dépend sur quoi vous jouez. Mais faut le mâcher. Comme dans Xenoverse 2, mais là, il n'y a pas de. Les techniques sont fouillis, c'est pas très stable, c'est en fonction de si on est plus haut, si on est plus bas, ça change le combo. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens en fait, et c'est un peu, on dirait que le jeu est drivé, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça correctement. On dirait que les combos se font pas forcément naturellement, c'est pas nous qui dirigeons vraiment le personnage. Enfin, c'est un peu spécial, et du coup j'ai pas aimé. Et c'est pour ça que je vous conseille, d'ailleurs, si vous voulez jouer vraiment un vrai bon jeu de baston, Dragon Ball, de jouer à Fighters. Et en vrai, si vous n'avez pas envie de jouer à Fighters parce que vous en avez marre des DLC abusifs qu'il y a dans tous les jeux de Dragon Ball, parce que c'est incroyable, hein. En vrai, les Sims n'ont qu'à bien se tenir. Non, c'est pas une blague, hein, vraiment. Déjà, la Sparking Zero, la première chose qu'ils ont annoncée une semaine après la sortie, c'est le nombre de DLC qu'il y aurait. Et tout le monde a fait. Ouais, quand même, parce que oui, effectivement, c'est super cher en plus, pas grand chose. Fighters n'échappe pas à la règle, hein. DLC sont super chers, et alors Xenoverse, c'est le summum, hein, puisqu'il y a 4 Season Pass, je crois, donc à 40 euros chacun, qui sont passés à 20 euros entre temps, mais ça reste quand même 20 euros entre temps. Enfin, donc, du coup, ouais, Dragon Ball Sparking Zero, là, il y a des trucs sympas, hein. On peut changer l'histoire de la série. Oui. Et ça, c'est marrant, en fait. C'est-à-dire qu'on peut dire, et si là, Gohan se faisait tuer par
Paradis, par exemple. Qu'est-ce qui se passerait par la suite? Et du coup, ça change toute l'histoire. On peut faire notre propre histoire avec à l'intérieur de Dragon Ball. Donc ça a ouvert les portes à tous les créateurs de fanfic. Donc, ce qui est cool en soi, ce qui est pas trop mal. Mais après, au niveau du gameplay, ouais, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Donc ça, c'est mon petit dislike du jour. En like, j'en ai pas vraiment. Si, je vous conseillerais juste de surveiller le prochain Call of, qui sort aussi sur le Game Pass d'ailleurs, grosse nouveauté, qui sort vendredi sur le Game Pass. Black Ops 6, si je dis pas de bêtises, ils en ont sorti un cinquième entre-temps. Je crois que c'est Black le Ops, 6. ouais, ça doit être le 6. Ouais, c'est le 6. Black Ops 6, ouais. C'était quoi le 5? Cold War, voilà, ouais. Il y a 5 mois, les gars. Non, 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 il est sorti il y a plus longtemps que ça. Il est sorti le 13 novembre 2020. Ah oui. Donc, oui, il était. D'accord. Ah, c'est qu'il a fait plus de 149. Ouais. Bref. Donc, ouais. Enfin, Call of Duty Black Ops 6 est sympa pour avoir testé la bêta. Ça a l'air d'être sympa. Mais c'est vrai que cette fin d'année, elle est. À part pour les JRPG. Ouais. Mais pareil, c'est un genre. C'est pour ça ce que je vous disais au début, c'est qu'on se complète bien. Moi, c'est pas du tout un genre qui m'attire. Je vais faire l'effort de jouer à Is, non? Mais autrement, ouais, c'est pas du tout mon style de jeu en fait. Ouais, c'est drôle. Donc, ouais, c'est. Par contre, je joue quand même à des jeux comme Dragon Ball. Mais bon, on va passer à nos likes littérature, je pense. Tu vas Ouais, pouvoir parler d'un surtout livre, moi. ouais, surtout toi. Là, il n'y aura pas d'image d'illustration, à moins que vous vouliez qu'on vous mette des pages, comme ça, sur le côté. Ah, je peux vous montrer la Ouais. couverture, voilà. Ce petit livre, le premier tome d'une duologie. Celui-là s'intitule Une fenêtre sur les ténèbres. Petit titre énigmatique qui m'a bien branché quand je l'ai vu au début, puisqu'il est sorti en mai ou quelque chose comme ça, en début d'année 2024. Et il y a le deuxième tome qui arrive en novembre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et parce que je viens de le terminer hier, et du coup, ben, j'ai quand même bien envie de savoir la suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes là face à un roman de fantasy, plutôt young adulte, on va dire. Donc vous attendez pas à Le Seigneur des Anneaux, quoi. On n'est pas du tout dans le même genre de récit. Mais un monde, je dirais, qui est tout de même très intrigant et addictif. Une fois que vous êtes passé au-delà du nom du royaume et du nom des personnages, qui peut prêter un peu à rire au départ, puisque le royaume, il s'appelle le royaume de Bourde. Et rassurez-moi, enfin, je vous rassure, vous ne ferez pas une grosse erreur en lisant ce livre si jamais vous appréciez tout ce qui est fantasy et young adult. Pourquoi? Parce que dans ce royaume, il existe une brume qui envahit petit à petit plus en plus de terrain. Une brume qui, si vous la respirez, vous fait contracter la fièvre, une maladie, une sorte de maladie assez étrange, puisqu'elle peut vous conférer des pouvoirs magiques, mais au détriment, par exemple, de votre santé mentale ou au détriment d'un autre truc. Et c'est ça qui est intéressant dans ce monde, c'est que tout a un prix, rien n'est gratuit. Pour acquérir la magie, par exemple, vous allez devenir au bout d'un moment incapable de réfléchir ou d'agir avec raison. Ça, c'est le plot principal. Et si ça vous paraît un peu brumeux, je vous rassure, en effet, c'est le cas. Au début du livre, on est plongé dans le brouillard. Ah ouais, alors là, je suis partie dans le champ lexical De la brume. de la brume, tout à fait.
Non, ça toute va. façon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, on va en Voilà, c'est ça. rajouter. Non, je vous rassure, l'auteur, elle ne fait pas comme ça. Je ne suis pas l'auteur, donc je peux me permettre ces petites blagounettes. Qu'est-ce que je disais dans toutes ces Tu parlais de bêtises? brume. Je parlais de brume, voilà. Donc c'est dans le brouillard, on est bien là. Et nous retrouvons notre personnage principal avec un nom très facile à dire, étant donné que c'est Elspeth. Alors, Wow. bonjour, Elspeth. Plus Voilà, donc facile à ça, c'est dire qu'à. un nom très facile à dire pour Elodie. Des Oh, le tacle bisous. gratuit. Elspeth du fusain. Elle était pas obligée d'être insultante, par contre. C'est ça. Et sa petite spécificité à cette jeune demoiselle, c'est qu'elle a survécu à la brume et à la fièvre. Alors qu'en général, comme je vous disais, ça entraîne une dégénérescence et à la fin, la mort. Mais là, elle a. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ce bouquin. Malgré tout que ce soit du young adulte, vous avez tout un plot de base qu'il faut bien intégrer avant de pouvoir arriver à la suite. Le truc, donc, je vous ai dit, il y a cette magie qu'on peut acquérir avec la brume, mais qui vous déglingue l'esprit. Et il y a également un set de 12 cartes qui. Là, peut vous conférer de la magie, mais d'une manière un peu plus sûre. Et même s'il y a un prix, il est quand même moins violent que la fièvre et moins aléatoire, puisque quand on utilise ces cartes pour utiliser la magie, eh ben, on est conscient de ce qu'on fait. C'est pas imposé, c'est pas pareil du tout. Donc notre héroïne, un jour, elle a touché une de ces cartes de tarot, puisque pour activer la magie, il faut les toucher 3 fois. Et enlever la magie, on retouche 3 fois. Et elle s'est retrouvée avec tout ce qui fait le sel vraiment de ce livre, c'est qu'une créature ancienne, mystérieuse, dont on ignore tout, a comment dire, infiltré son esprit. Et il porte le doux nom de cauchemar, parce que c'est un être mystérieux, mi-homme, mi-créature, et c'est ça qui était vraiment très très intéressant dans ce roman, qui cohabite dans son esprit. Donc, vous avez votre personnage principal qui est là, qui essaye de se dépatouiller de situation, et le cauchemar qui arrive, qui fait une petite remarque, et dit tu t'es mis dans la mouise, est-ce que tu as besoin d'aide? Et comme je vous disais, toute aide a un prix. Et le prix qu'Elspeth doit payer, c'est que cette créature prend peu à peu possession de son esprit. Alors bien sûr, vous vous doutez du coup de comment ça pourrait se terminer éventuellement. Est-ce que le cauchemar va vraiment réussir à prendre possession de son esprit? Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que l'auteur, elle est partie dans cette direction. Et on s'en doute, hein, tout au long du livre. Elle nous dit, bah oui, je suis en train de perdre l'esprit, lol. Et ça se Spoil sent. pas. Ouais, non, mais tu le sais dès le départ, parce qu'il le dit, il le dit. Et au bout d'un moment, de toute façon, tu disparaîtras. Mais peut-être pas, en fait. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas au final. Et donc voilà, une fois que vous avez tout ce contexte qui s'est mis en place, bien sûr, ça devient plus intéressant parce qu'on se lance dans la quête qui est donc de récupérer les 12 cartes pour peut-être essayer de d'enlever la brume, essayer de libérer le royaume de cette magie, de cette malédiction qui pèse sur tous. Et donc, bien sûr, littérature young adulte oblige. Nous avons une petite romance, mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que ça ne prend pas le pas sur l'histoire, sur le scénario, sur le fantastique. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'est pas, hop, une fois que le personnage principal masculin est entré dans l'histoire, on n'est pas parti uniquement sur les petits états d'âme des deux amoureux, quoi. On est resté très très focus dans l'histoire, dans la quête de ces 12 cartes, qui ne se fait pas bien sûr sans aventure et sans rebondissement. Autrement dit, une fois que vous avez passé l'introduction, qui est un peu dure, ça quand même, c'est bien de le signaler, parce qu'on rentre pas tout de suite dans le vif de l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, eh bien, c'est très très agréable à lire.
même du départ. Hein. C'est juste qu'il faut se faire à la présentation de l'univers, de toutes les règles d'utilisation de la magie, d'utilisation de plein de trucs. Donc voilà, ce sera mon petit coup de cœur du moment. J'attends le deuxième tome avec impatience parce que ça se termine quand même d'une manière qu'on voit venir, mais en même temps, c'est Spoil, surprenant. hein. Mais tu spoil, free Non, spoil, hein. je spoil pas du tout. Non, mais. De toute façon, tu le sais, hein. Mais. Mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir. Ouais, bah merci. Ah, c'est le résumé de derrière, hein. Donc tu sais à quoi t'attendre. Et c'est ça qui est intéressant, de voir la dégénérescence du personnage. Et c'est ça, c'est très 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 bien fait. Voilà, de la fantaisie actuelle, une héroïne pas trop nunuche, ça c'est quand même aussi intéressant à souligner, parce qu'en général, les pauvres, elles sont pas toujours bien loties, mais là, pas mal. Ça dépend, ça me permet de faire une transition sur mon coup de cœur série. Mais non, il n'y a pas d'image, Greg. Mais non, C'est un regarde, livre. un livre. Moi, je peux faire un coup de cœur littérature si tu veux. Il y aura des images. Hein. Choupi va à l'école, Petit Loup fête Noël. Les gardiens de la galaxie, la planète du silence. Enfin, on peut y aller. Hein, mais ouais, non, non, il n'y a pas d'image. C'est un vrai livre de grand. Oui, enfin de grand et de moins grand, du coup. Mais on est en image et son. Oui, bah oui, S'il n'y je a pas sais de bien. son, s'il n'y a pas d'image. Oui, mais là, le son, tu te le fais dans la tête, c'est ça qui est intéressant. Non. Si, Non, on t'entends a pas les des oreilles. personnages parler? Moi, je les entends parler dans ma tête, hein. Comme tout Est-ce que bon tu lecteur. entends que ces personnages dans ta Ah, ça, c'est une question que nous ne répondrons pas en live, à laquelle nous ne répondrons pas en Mais de live. parler de protagonistes du coup féminin, ça me permet de rebondir sur une série que je suis pas forcément assidûment, parce que j'ai pas le temps. En vrai, C'est mais vrai. les premiers épisodes sont cool. Et en fait, c'est dans le contexte d'Halloween, François, un peu comme ton livre d'ailleurs. Oui, bah oui, c'était la magie, sorcier, tout ça. Vous avez remarqué qu'on a un fil conducteur, mine de rien, et qu'on s'y tient. Hein. Et puis, entre Stalker 2, il n'y a que Mario et Luigi, et puis Mario Party dont on a parlé, parce que c'est des actus. Mais Voilà. Is, ça parle de monstres. C'est ça. Une fenêtre sur les ténèbres, ça parle de monstres. Dragon Ball, c'est un jeu horrifique. Il y a des monstres dedans, Oui, non, puis c'est une il y a horreur encore à jouer, singes donc. géants. Donc, du coup, ouais, c'est plutôt horrifique. Et là, du coup, on va parler de cette fameuse série qui est sur Disney+ et qui fait suite à une série existante, déjà. Enfin, cette série existante s'appelle WandaVision. Et nous allons parler d'Agatha Hollong, Donc c'est un qui est sa truc suite. Marvel, c'est ça? Ouais, Ah tout à bon, fait. je savais pas. Tout à fait. Et donc ça parle un peu de cet univers dans Marvel, pour ceux qui sont un peu aficionados de Marvel, de cet univers dont on parle très peu, qu'on voit beaucoup dans les comics, mais qu'on parle très peu au cinéma, à savoir tout l'univers fantastique de Marvel, avec les sorciers, les sorcières. Alors on a bien Doctor Strange, mais Doctor Strange ça reste en surface, on va dire. Et puis Doctor Strange travaille avec les Avengers, donc du coup c'est un peu moins magique, on va dire. Disons que c'est très centré sur des pouvoirs avec une pierre d'infini, techniquement. Là, Agatha, c'est une vraie sorcière, en fait. Et dans WandaVision, le problème, c'est que je ne peux pas vous parler de la série sans vous spoiler WandaVision et la fin. Alors, on va juste spoiler ce passage. Dans WandaVision, elle est éjectée de la réalité, en quelque sorte, par Wanda, la sorcière rouge, qui est une des sorcières les plus puissantes et les plus violente de l'histoire de Marvel d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu Doctor Strange 2, vous comprenez et vous savez de quoi je parle. Et donc Agatha, dans les comics et dans la série, du coup, en fait, c'est une sorcière qui date, enfin, qui est millénaire en fait, et qui est une des plus puissantes aussi, qui dirige le coven des sorcières. Et donc là, en fait, elle va devoir survivre à des épreuves avec son coven de sorcières. L'idée, entre guillemets, enfin, lead par un garçon mystérieux, dont je ne vous révélerai pas l'identité, et qui ouvre toute une nouvelle porte d'ailleurs dans l'univers Marvel, loin de toute cette folie un peu du multivers qui a saoulé tout le monde en fait, et qui du coup est complètement éjecté d'ailleurs, depuis Deadpool 3, parce que Deadpool 3 signe un peu la fin de ce truc qui est le multivers, pour s'orienter un peu plus vers
vers d'autres horizons, à savoir des origin stories de super-héros qu'on a déjà vu 8 fois, mais que on va prendre plaisir à revoir parce qu'elles ont changé un petit peu, comme les Quatre Fantastiques, ou le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Pourquoi? On ne sait pas. On verra, hein, parce que c'est bankable. Et donc du coup, en fait, le multivers va redevenir visiblement un peu plus condensé et pas. Ouais, il y a 800 milliards de possibilités. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, c'est pas le film dont je vais parler qui suit du coup. On va rester un peu dans l'image et son, histoire de. C'est pas le film dont je vais parler qui va relever le niveau, puisqu'on va parler de Venom 3 aussi, qui sort de. Déjà, on sait même pas comment c'est possible qu'il y ait eu un troisième. Ah, c'est The Last Dance. Ouais, c'est le dernier, hein, qui sort la semaine prochaine, qui sort le 30 octobre, donc la veille d'Halloween. Le film sera une horreur probablement à regarder, s'il est au même niveau que les deux premiers. Non, on va être honnête 5 minutes et dire un peu les termes au niveau de cette saga qui est Venom. Le premier était une catastrophe ambulante puisque l'essence du personnage a été bafouée et siphonnée dans des toilettes après avoir tiré à la chasse. Mais ça se regardait quand même. Mais ça se regardait et au final c'était même plutôt drôle et c'est Oui. devenu un nanar. On va Ouais, pas se c'est le ça. cacher. C'est devenu un nanar. Et donc le 2, ils ont survendu le truc en disant ouais, c'est Andy Serkis. Donc Andy Serkis, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars qui fait de la motion capture de Fou Furieux, qui a joué notamment Gollum dans Le Seigneur des Ah Anneaux, film oui. que t'as pas vu. Oui, tout à fait. Ou qui a joué aussi César dans La Planète des Singes, dans ses gros rôles, hein, qui a joué aussi dans Les Hobbits. À chaque fois qu'il y a de la motion capture dans un film, en général, il y a Andy Serkis qui est pas loin. Et donc, qui a joué aussi dans le MCU Ulysses Klaue, le méchant de Black Panther. Hein, pas celui qui monte sur le trône. L'autre avec son bras bionique, là, qui se fait. Qui est dans. Qui du coup meurt dans Black Panther, Dans le spoiler. premier? Ouais, bah ouais, dans le Non, je me premier. rappelle même pas. Non, mais en fait, c'est un personnage limite secondaire, il vient voler du vibranium dans Age of Ultron. Dans Avengers 2, il vient voler du vibranium et Ultron lui coupe le bras. Ah ouais. Et en fait, après, il chope un. Bionique et tout, et du coup, dans Black Panther, il vient pour voler du vibranium et il se fait tuer par Killmonger. Ah. Donc, en fait, personnage oubliable totalement. Mais du coup, ouais, on en est à ce Venom 3 qui est réalisé d'ailleurs. Est-ce qu'il est réalisé par Andy Serkis? Pas du tout, c'est une réalisatrice. Du coup, ils ont changé de réalisateur à chaque fois. Donc, Andy Serkis réalise le 2 qui part bien. Part plutôt pas mal, mais en fait, qui a décidé de rusher complètement l'arc Carnage des comics. Et plutôt que d'en faire un vrai antagoniste, on a fait une espèce de chose difforme qui est légère et qui fait pas trop de bêtises, quoi. Mis à part un massacre en prison, il n'est pas trop dangereux, quoi. Parce que le mec veut juste se marier. Parce que c'est. On a des blagues aussi tout le temps, à peu près. Mais après, ça change pas trop du MCU, mais dans le MCU, elles sont quand même un petit peu plus fines. Que dans Venom, puisque c'est H24, puisque si vous d'ailleurs si vous avez envie de voir Venom se bourrer la tronche dans un bar cocktail à Hawaï, tout en faisant un comedy club avec avec une jupe hawaïenne et des colliers lumineux, regardez Venom 2, puisque Ah cette scène ouais. existe. Oui, voilà, cette scène existe tout simplement. Donc ouais, Venom 2, c'était quand même une catastrophe, et du coup j'ai hâte de voir Venom 3 pour voir à quel point ils vont bousiller la fin de Venom, puisque dedans, de ce qu'on en sait, il y a K'Null, le dieu des symbiotes, et que personne ne voulait le voir dans cette saga de film, et donc du coup on a tellement hâte qu'il le bousille, qu'il le bousille, Comme Carnage comme Carnage. et Venom. Et d'ailleurs, la petite anecdote qui veut faire plaisir à tous les fans du MCU, c'est que visiblement, Spider-Man 4, ce sera le 4. Quatre, ouais. Oh, ce sera le 4, il en a eu plus que les autres, lui. Ça craint quand même. Le pire Spider-Man qui a plus de films que les deux autres. Bref, ça c'est un avis personnel. Mais dans Spider-Man 4 avec Tom Holland, qui vaudra probablement le coup d'œil puisqu'il est réalisé par un vrai réalisateur et pas un Yes Man comme John Watts, ça tire à balles réelles. Non, puisqu'il est réalisé par Daniel Day-Creston, si j'écorche pas son nom,
un réalisateur de films d'arts martiaux et aussi réalisateur de Shang-Chi, Légende des 10 Anneaux, qui d'ailleurs, pour tous ceux qui en ont marre de Marvel, il y a quand même des petits projets comme ça, qui sortent de nulle part, qui font pas suer le MCU, enfin en fait qui marchent pas, hein, tout simplement, au cinéma, parce que tout le monde s'en fout. Et tout le monde veut voir en fait la scène post-générique surtout. En fait, le truc, c'est que Shang-Chi, c'est un film très beau, déjà. Si vous êtes fan de mythologie chinoise, par exemple, c'est à regarder. Non, pour de vrai, je plaisante pas. Oh, mais il avait l'air pas mal. Avec des décors, des forêts vivantes, des trucs et tout. Non, c'est vraiment très bien. C'est un gros film d'arts martiaux avec des pouvoirs magiques un petit peu et de la mythologie chinoise. Il y a des combats avec des dragons chinois à la fin. Enfin, c'est beau, vraiment. Hein. C'est beau à. On est loin d'Ant-Man Quantumania, qui est infâme visuellement, faut le dire. Et qui, au niveau du scénario, malgré quelques fulgurances quand on est parent, qu'on peut comprendre à peu près, reste bas de plafond, on va dire. Après, c'est du Ant-Man, on va pas en demander plus non plus. J'ai du respect pour le personnage, hein, ne vous inquiétez pas. Mais faut dire ce qui est, Ant-Man, c'est pas le mec le plus sérieux de tous les temps. Et donc, dans Spider-Man 4, il y aura Venom. Celui que vous voyez dans les films. Hein. Parce que multivers, multivers, mais multivers quand même qui reste. On arrête de l'ouvrir à d'autres trucs qui vont rajouter d'autres films. Par contre, on l'ouvre à des trucs existants. Ce qui est plutôt pas débile, vu que c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Et donc, on aura Venom, apparemment, avec Null qui revient. Puisque visiblement, ils ont décidé de le bousiller dans Venom. Et ils vont rebousiller encore dans le MCU, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là-dedans en soi. Et donc, la fin de ma chronique sur Venom 3. Je vous conseille d'aller le voir. Non, je plaisante, n'allez pas le voir. Téléchargez-le illégalement, s'il vous plaît. Évitez-nous un plaisir coupable en vous disant, ah ouais, je vais aller voir Venom 3 au cinéma. Nanani, nanana, n'allez pas le voir au cinéma. S'il vous plaît, allez voir d'autres films. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres films bien au cinéma, là, en ce moment. Oui. Genre, je sais pas, on va regarder. Regardez vite fait ce qu'il y a au cinéma. Cinéma. Halluciné, sortie Alors, cinéma. attends, je note. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Il y a un film, Suivez-moi. là, ça va être un biopic sur une femme pendant la Seconde Guerre mondiale, je sais plus, une journaliste D'accord. dont j'ai bouffé le nom, bien sûr, mais j'ai Il vu la bande-annonce il n'y a pas longtemps. y a L'amour Enfin, je ouf crois de Gilles Lellouche. qu'il vient de sortir. Croquette, le chat merveilleux, ça doit être Ah oui, mieux. il y a le truc de Bambi. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Smile 2, Smile 2, tiens, allez voir Smile 2, ça a l'air mieux. Ça a l'air Ça a mieux. l'air trop bien. Ça a l'air extrêmement incroyable. Sauvage, allez voir Sauvage aussi, c'est un film d'animation, ça a l'air sympa. Misery, en fait, tout est mieux. Harold et le crayon magique. Le bruit sort maintenant. Elle a mis du temps, parce qu'il s'est bien viandé au box-office. Voilà. C'est tellement bien viandé que je l'ai sur mon ordinateur. En haute Est-ce que je qualité. parle d'un film qui est sorti également il n'y a pas longtemps On pour peut. Hein. terminer, si toi c'est bon pour toi d'aller au cinéma? Ouais, bah si tu veux leur conseiller un film mieux que Venom 3, Je pense que ce sera mieux, c'est pas c'est non pas plus difficile hein, non incroyable, plus. Hein. mais. Parlons vite fait d'un film duquel on a beaucoup entendu parler dans nos régions nivernaises, puisqu'il a été tourné dans le coin. Et le suspense est insoutenable, vous n'avez pas du tout deviné que je parle de Quand vient l'automne de François Ozon. Un petit film sans grande prétention, mais qui fait bien le taf, on va dire, pour un public, en toute honnêteté, plus âgé. Hein. C'est sûr qu'une histoire qui se passe comme ça dans la campagne nivernaise, relations familiales entre la grand-mère, les petits-enfants et les enfants, relations qui peuvent être houleuses avec des secrets de famille, tout ça. Alors, c'est très très sympa de bien sûr voir par exemple les rues de Donzy, la gare de Caunes ou d'autres lieux comme ça que nous on connaît, qu'on voit assez souvent. De les voir au cinéma, ça fait toujours un petit truc, on est d'accord. Autrement, bon voilà, au niveau de l'histoire, si vous avez vu un peu, nous avons les deux personnages principaux campés par Josiane Balasko et Hélène Vincent. Hélène Vincent qui joue la petite grand-mère. Qui vit comme ça dans son petit village de Donzy, du coup, et
pays suite à un malheureux accident qui est pas. On ne sait pas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas au final si les choses sont faites volontairement ou pas. Le réalisateur nous laisse dans le flou. Et il n'y a rien à redire niveau photographie. Enfin, c'est très bien filmé, très bien cadré. Ça ressort super bien à l'écran. Et les acteurs sont très très bien. Alors après, voilà, c'est. Est-ce que vous aimerez ce genre d'intrigue avec une grand-mère un peu dépassée par les événements, qui a un secret de famille, et que sa fille ne peut pas enfin, ne lui fait pas confiance, la traite très mal, mais par contre, pour récupérer de l'argent, là, dire, hey, t'as pas 500 euros à me filer, la gamine, elle est là, et bon, voilà, c'est sous ces secrets de famille, les prismes familiaux, comme ça, qui se mélange. Et bon, si vous avez moyen de le voir quand il sortira, je suppose qu'on l'aura à la médiathèque s'il Je sort en pense que oui, DVD. ouais. C'est Bon, on l'a Rosalie Bloom, ouais, voilà. Donc, tout ce qui se passe dans le coin, ce sera logique de l'avoir. Moi, je vous dirais, attendez qu'il sorte en DVD, venez l'emprunter à la médiathèque. Si vous n'avez pas de coupon de réduction pour le cinéma, bon, ça vaut peut-être pas le coup. Sauf si vous y allez avec vos grands-parents, parce que eux, ça va les brancher forcément. Sauf si vous avez le choix avec Venom 3. Ouais, oui, voilà, si vous avez le choix avec Venom 3 ou Joker, je sais pas quoi, là, Oh là, oui, c'est le vrai, Joker le 2, Oula, oui. voilà, abandonnez les super-héros Ah, on a complètement et oublié cette allez voir partie-là. ça, au moins, bon, vous aurez des acteurs très très corrects et une histoire, bon, qui tient le fil et qui fait cogiter, c'est ça qui était pas mal, N'abandonnez voilà. pas les super-héros, n'écoutez pas cette dame. Non, en vrai, Voilà. on est d'accord qu'on n'est pas gâtés à ce niveau-là. Non. On n'est plus gâtés. Avant, on était gâtés. C'est fini. Mais pour quand vient l'automne, juste une question. Dis-moi. La ville de Donzy est citée dedans? Et Cône aussi. Non, ils disent pas les noms. Alors Cône, tu vois juste un moment, garde Cône. Donc D'accord, ok. ils ont pris Ils ont fait comme Rosalie Bloom, en Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dit après, ça fait. se passe en Bourgogne, tout ça. Parce que pour ceux qui savent pas, Rosalie Bloom, ça a été tourné à Nevers et à la Oui. Charité. Ouais. Donc en fait, des fois, ça donne des scènes bizarres où on voit Kian, que j'en dis, descendre dans une rue de Nevers et arriver à la Charité. Ah oui, Et forcément. du coup, c'est quand on connaît les villes, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Non, là, ça va, c'était pas trop mélangé. Il y a peut-être une ou deux scènes qu'ils ont fait à Nevers et à Charité, mais autrement, c'est tout Donzy, quoi. Et on reconnaît, c'est sympa avec l'église, on voit la rue du marché, tout ça. On voit la médiathèque de Donzy en fond, il me semble. Donc, on voit aussi C'est dur, des hein. gens qu'on connaît. Voilà, c'est bon, c'est Ça, sympa, mais c'est pas. c'est assez dur aussi, en vrai, de rendre cohérent Bah oui. un truc en filmant dans plusieurs villes différentes, sachant que, enfin, je veux dire, Donzy ne ressemble pas à Nevers, et Non, Nevers ne ressemble pas à Charité, non, c'est clair. Charité ne ressemble pas à Cône, enfin voilà, tu vois, Oui. c'est des trucs, c'est difficile de rendre tout ça cohérent. Mais en tout cas, ouais, bah merci pour ce coup de cœur. C'est Et cool de puis on ça est en passe. avance en plus, on a encore de quoi On est à blablater, l'heure, parce qu'on c'est bien. est à l'heure, c'est bien. C'est bien. C'est bien, parce que bon, après, effectivement, tu parlais de Joker 2. Pas grand-chose à dire, hein. Mis Elle à allait pas part le voir. que. Même pas aller pas le voir, allez le voir si vous avez envie de le voir, on va pas vous forcer à aller voir des films ou pas. Hein. C'est juste, en fait, si vous voulez en savoir plus, c'est simple. 200 millions de budget. 100 millions qui 100, 150 millions qui partent dans les acteurs et puis le réalisateur, dont un tiers qui part dans Joaquin Phoenix, un dixième qui part dans Lady Gaga et puis le reste pour le réal. Je veux dire, ça sent le blanchiment d'argent, on va pas se cacher, on va pas se le cacher. Bah, en vrai, niveau budget, puis au niveau comment ça s'appelle, au niveau bah équilibrage des balances, enfin des finances, c'est pas ouf. Alors par contre, je passe un coucou quand même à Boris Rélinger qui fait toujours la voix en français du Joker. Curieux de voir comment il a chanté. Parce que oui, c'est une comédie musicale, hein, ne vous fiez pas à ce que peuvent dire le réalisateur, des acteurs et tout. Vous disant non, ce n'est pas une comédie musicale. Si, 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 c'est une comédie musicale. De A à Z, c'est une comédie musicale et qui plus est, c'est une mauvaise comédie musicale. Si vous avez envie de voir des comédies musicales qui ressemblent à Joker 2, allez voir La La Land, allez voir Les Parapluies de Cherbourg, allez voir aussi ni plus ni moins que Le Magicien d'Oz.
ou des comédies musicales qui valent le coup d'être vues au moins une fois dans sa vie, en fait. Même si on n'est pas fan des comédies musicales. Ou chantons sous la pluie aussi, tout simplement. Enfin, des vraies comédies musicales, quoi. Parce qu'il n'y a aucune chanson originale, aucune chanson n'est faite pour le film, en fait, puisque c'est des chansons piochées dans d'autres répertoires. On est sur un film qui chante mal en plus, qui chante mal, mais fait exprès, c'est fait exprès visiblement. Parce que c'est pas possible que le réalisateur dise ouais, coupée, elle est bonne, en se disant, en n'ayant aucune intention de nuire. Et en fait, heureusement qu'il y a Lady Gaga, parce que franchement, sinon, waouh, achetez des boules caisses et puis allez le voir, sinon, si vous avez vraiment envie de le voir. Mais franchement, c'était une catastrophe en termes de réalisation, en termes de tout ça. Il n'y a pas grand-chose en fait. C'est toujours bien réalisé, on va dire, mais il n'y a pas Ouais. énorme, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis du coup, là, dans les prochaines sorties de gros films de super-héros, enfin, entre-temps, en fait, c'était surtout aussi pour mettre en avant la série Le Pingouin qui sortait sur HBO, vous savez, l'abonnement que personne n'a, parce que ça coûte hyper cher pour pas grand-chose, que tout le monde a Disney+, Netflix et Amazon Prime, et ils sont tous là à se dire, bon, bah, ça fait peut-être déjà un peu beaucoup, effectivement. Déjà un peu beaucoup et d'ailleurs ouais, enfin à ce niveau-là c'est un peu le flou total sur pas mal de plateformes, pas grand-chose qui sort, c'est pas forcément très bien communiqué, mais bon voilà, n'allez pas voir Joker 2 pour en revenir à ça, n'allez pas le voir, n'allez pas le voir, ou alors allez le voir juste pour vous taper un trip avec vos amis, mais voilà, t'as d'autres choses à dire? Est-ce que tu Comme as d'autres ça. coups de cœur comme ça qui viennent à l'esprit? Est-ce que tu as... Parce que là, on est bien en avance. Bon, non, on va dire qu'on est à l'heure. Comme ça, c'est On pas est plus un mal. peu plus à l'heure que d'habitude. Eh ben, On ça était change. censé Voilà. terminer à midi, il est La nouvelle 11h34. formule. Non, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Remarque, c'est pas plus mal, ouais, parce que ça nous laisse aussi l'espace au cas où on a un invité un jour, on sait qu'il lui restera tant de temps. J'aimerais bien qu'on ait des invités. D'ailleurs, si vous êtes un peu... Si vous faites... Alors, on va passer une annonce comme ça, là. Fin de ce live. Tu me dire ce que t'en penses après. Oui. T'as le droit de dire derrière non, j'aime pas et on fait J'attends, pas. je me doute de ce que tu vas dire, ouais. Si vous avez un métier atypique, si vous faites des choses complètement atypiques en rapport avec la culture en général, l'art, la culture, voilà, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse médiathèque@cœurdeloire.fr. Peut-être qu'on pourra, après réflexion et après réunion, voir si on peut avoir des invités extérieurs aussi à notre métier, afin de discuter de métiers un peu intéressants aussi. Non, je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi pas, hein? Après, on fait une sélection, hein. Vous attendez pas en postulant à être pris 100%, parce qu'il faudra que ça colle aussi avec notre actu, il faudra que ça colle aussi avec tout ça. Par exemple, ouais, si on peut recevoir aussi de temps en temps des intervenants qui viennent pour d'autres animations. Ça peut être sympa, on verra comment va se passer aussi le Festival Littérature Jeunesse, voir si on refait la même, parce que finalement ça va être dans deux lives, à peu près, en soi. Donc on verra. En tout cas, c'était un plaisir de vous revoir. Oui. Ouais. Et puis bah, on vous dit à la prochaine. On ne sait pas quand encore. Probablement décembre, mais on ne sait pas, on verra si on a matière en fait. Toutes les questions de matière, après si on fait un grand live coup de cœur ou acheter, pas acheter, machin, un truc, on peut se faire un giga live coup de cœur avec tout ce qu'on peut avoir ici. Tout à fait. Donc on verra, on vous tiendra au courant. On se prend plus trop la tête, on n'a plus de grand planning, de rétro-planning sur une année, comme on avait pu faire avant. Du coup, bah, à la prochaine. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et jouez à Is surtout. Ouais, je crois que c'est le 9, c'est ça? Jouer à Non, c'est Is le 9. 10. Oui, mais t'as le 9 là, c'est le 9 Oui, que t'as. mais bon, il y a la démo du 10, nouvelle Oui, génération, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. d'accord. Oui. Moi, je peux, tu vois, entre les deux, franchement, le 9 m'a plus branché. Ah, Ouais. ouais. Moi, Donc, je te le passerai si tu veux, une fois que j'aurai fini. oui, une fois que tu l'as fini, on verra, on verra. On verra. Ou alors, je le craquerai. Ouais, bien. Je regarderai. Déjà, en fait, j'aimerais bien commencer par le premier. C'est peut-être bête, mais. C'est juste histoire de. Je déteste commencer par la fin. Ah, ouais. Bon. Non, après je comprends. Peu Enfin, je veux importe. dire,
Ils sont tous indépendants après. Au niveau de l'histoire, tu peux commencer Oui, par. bien sûr, c'est comme les Final Fantasy, C'est quoi. ça, ouais. Il y Voilà, a c'est des comme les. références entre Mais chaque j'aime bien niveau. avoir le début, plus Mais oui. l'évolution, comment ça a évolué. Surtout que les premiers, ils sont disponibles sur la Oui, ils Switch. sont Il y a remasterisés. un truc de ouais, c'est ça, d'émulateur, enfin un truc légal, quoi. Et on peut jouer au premier. Bon, alors après, c'est encore un autre genre de jeu, Ouais. quoi. Ça va ressembler un peu aux Zelda au début, c'est. Bon, Mais bon, ça vieillit, on verra quoi. bien, puis on reverra, on en rediscutera de toute façon. Ouais. Enfin bon, à la prochaine. Ciao. Salut. Et puis bonne semaine. Eh oui.